Les livres ne vous feront jamais faux bon. Pourquoi ne pas plutôt lire un roman dans le même genre que votre film préféré? Si vous avez aimé ce film, vous aimerez ce livre. Si vous avez aimé le film Nos étoiles contraires, adapté du livre Nos étoiles contraires par John Green, vous aimerez définitivement Tous nos jours parfaits par Jennifer Niven. Ce livre raconte l'évolution de la relation entre deux adolescents ayant des tendances suicidaires. Le livre aborde des sujets graves, boîte de mouchoirs recommandée. L'auteur réussit quand même à ce que le livre reste lumineux. Vous finirez peut-être ce livre-là en larmes, mais je vous jure que vous ne verrez plus la vie de la même façon. Si vous préférez généralement regarder des films historiques comme La voleuse de livres, adapté du livre de Marcus Zusak, des livres comme Une île trop loin par Annie Cator ou Big Easy par Rita Sepetys devraient vous plaire. Le premier, Une île trop loin, traite de la Seconde Guerre mondiale avec une approche inédite. Celle de deux jeunes Autrichiennes juives qui sont envoyées en Suède par leurs parents afin d'échapper aux horreurs de la guerre. Le deuxième, Big Easy, change totalement de contexte mais reste tout aussi intéressant. Il nous fait voyager jusqu'à la Nouvelle-Orléans des années 50 où on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'empêtre dans le crime organisé à cause de la pauvreté et de sa mère irresponsable. Les auteurs de ces deux livres ont fait des recherches historiques importantes pour construire ces histoires, ce qui fait que leur trame historique est riche et intéressante à lire. Si vous êtes adepte du réalisateur Tim Burton, qui a entre autres réalisé Alice au Pays des Merveilles et La mariée cadavérique, vous aimerez sûrement des livres comme Le Château par Edward Carey, qui raconte l'histoire d'une famille de ferrailleurs dont l'un des membres entend parler les objets. Ou Emily de Strange, le premier tome, Les jours perdus, par Rob Rudger, qui suit une jeune fille atteinte d'amnésie dans ses péripéties rocambolesques, c'est peu dire, pour retrouver sa mémoire. Ces livres ont tous les deux une ambiance sombre et lugubre, imprégnée de fantastique, tout en ayant une touche de fantaisie. Si vous avez aimé le film La cinquième vague, adapté du roman de Rick Yancey, vous aimerez assurément Les âmes vagabondes par Stephanie Meyer. Les âmes vagabondes racontent l'histoire d'une jeune fille qui tente de se battre contre la conscience extraterrestre qui lui a été implantée. Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas. Ce livre déborde d'action. Enfin, si vous avez suivi avec passion la saga Hunger Games tirée des livres de Suzanne Collins, vous aimerez sûrement la série Delirium par Lauren Oliver, une histoire futuriste où l'amour a été décrété comme une maladie mortelle. Tout comme Hunger Games, cette dystopie fait grandement réfléchir sur la société d'aujourd'hui, la place du gouvernement, etc. Mais si vous préférez plutôt rire d'Hunger Games, je vous conseille sa parodie officielle, les Hamburger Games, rire garanti.